n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour répondre aux questions qu'on va poser pendant ce webinaire. Et puis, j'ai des remarques de vos enfants ou leurs questions. Et on sera ravis de vous aider et répondre avec Suzanne Bonnefil, qui est en ligne avec moi, qui est la fondatrice de Environment for the Americans. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, vous pouvez visiter nos sites internet qui apparaissent sur le PowerPoint, donc environmentamerica.org et migratorybirdday.org. Et si vous avez des questions, utilisez notre boîte email info@environmentamerica.org. Voilà. Donc, cette année... Ah, pardon. Intéressant. Je ne peux pas changer de slide. Pourquoi? Sorry. I don't know, maybe because you start the PowerPoint, I can change the slide by myself, Suzanne. So I will do it this way. I don't have a choice. Cette année, notre thème avec Environnement pour America, ce sont les oiseaux migrateurs, toujours, et les oiseaux connectent notre monde. Et les colibris connectent notre monde. Ils ont bien leur place dans cette présentation. Donc, nous allons vous lire un livre de Marla Kegrenhey qui s'appelle « Si les colibris pouvaient fredonner ». Il a été écrit avec l'équipe de Lisa Tell de l'Université de Californie, de la ville de Davis, qui étudie les colibris, merci Gabriel pour le livre, leur migration et les façons de les protéger. Donc, c'est un livre qu'on vous lira tout à l'heure. Aujourd'hui, on va apprendre un peu plus donc, sur les colibris, sur ce qu'ils mangent, où ils vivent et comment les protéger. Vous avez, si vous avez téléchargé chacun un petit colibri, tiens Gabriel, et Corrado, c'est un colibri calliope, c'est le colibri américain, et vous allez pouvoir le colorier pendant ce webinaire avec nous. Donc, maintenant, si vous suivez nous allons avoir des webinaires toutes les semaines sur différents oiseaux migrateurs, on va avoir des invités, des musiciens. La semaine prochaine, on va travailler avec un artiste pour apprendre aux enfants à dessiner des oiseaux. Et si vous suivez nos webinaires, vous pouvez répondre au quiz à la fin de cette présentation en nous envoyant vos réponses par email à info@environment.org. Je vous redonnerai les informations plus tard. Et vous recevrez un certificat de jeune ornithologue. Voilà, chez vous. Donc, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau est un oiseau? Alors, est-ce que vous pensez que c'est là, que c'est la fourrure, que c'est des lunettes, que c'est les plumes? Les plumes. C'est pas la fourrure? Non, c'est des chats qui ont de la fourrure. Oui. Et ils n'ont pas de lunettes, les colibris. Oh. Non, c'est les plumes. C'est bien la spécificité des oiseaux. Il faut bien les mangeoires à oiseaux. Ouais. Il existe plus de 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde et le colibri, vous savez, est le plus petit d'entre eux. Voilà, intéressant, important. Mais qu'est-ce qui fait qu'un oiseau est un oiseau finalement? Est-ce que c'est parce qu'il a des bois sur la tête? Est-ce qu'il a un bec ou est-ce qu'il a des antennes? Non. Des becs. Il a un bec. Qui a des bois? Les cerfs. Qui a des antennes? Les insectes. C'est vrai. Les oiseaux ont un bec, ils s'en servent pour manger. Et savez-vous ce que c'est que le petit trou qu'ils ont sur les côtés? C'est leur nez qu'ils s'en servent pour respirer. Voilà. Mais ce qui fait surtout la particularité des colibris, c'est leur alimentation. Ils ont une alimentation très spécifique. Alors, Gabriel, toi, tu manges plutôt, tu aimes bien les donuts. Et là, beaucoup les hamburgers. Et les hamburgers aussi, toi, Aldo. La même chose. C'est les donuts et les hamburgers. Voilà. Ben, les colibris ne mangent pas d'hamburgers. Ils mangent essentiellement... du pollen qu'on trouve dans les fleurs. Il mange pas des donuts dans l'eau secrète. On prend la parole, on ouvre la main. Et il mange aussi, et ça on le sait un peu moins, des insectes. Il mange beaucoup d'insectes. Et il mange aussi des vers de terre dans l'eau. Non, il ne mange pas des vers de terre, mais c'est intéressant de parler. Il y a plein d'oiseaux qui mangent des vers de terre. Mais ils mangent de l'eau sucrée. Mais pas les colibris. Ils prennent de l'eau sucrée, exactement. Du nectar. Ou de l'eau sucrée. Je vous montrerai comment préparer de l'eau sucrée pour les colibris tout à l'heure. Là, c'est le moment où tu peux l'enlever. Les colibris sont des super héros. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le plus petit oiseau du monde.
Le colibri abeille, par exemple, qui vit à Cuba, fait 5 cm de haut, à peu près la taille d'une pièce de monnaie. Et ils ont des nids tout petits. Ils font des nids, vous voyez le nid sur le PowerPoint que je vous montre, ils font des nids avec des toiles d'araignée, ils font des nids avec de la mousse. C'est tout petit. Une fois que les petits œufs sont nés, la maman ou le papa colibri se met dessus et attend jusqu'à la naissance des petits. Voilà. Et comment les colibris font pour rester au-dessus d'une fleur sans bouger? Est-ce que vous savez? Ils battent très très vite des bras. Voilà, alors on va faire un test. Je vais compter jusqu'à 15 et vous allez battre des bras le plus vite possible. D'accord, Gabriel? Moi, j'ai déjà essayé de le faire et je fais à peu près 30 battements. Essaye, montre-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo, Gabriel. Je ne sais pas combien de battements a fait Gabriel, mais une trentaine à peu près. C'est déjà pas mal. Mais les colibris, ça fait 50 à 80 battements par seconde. C'est énorme. Ça va très, très vite. Et c'est comme ça qu'ils tiennent au-dessus des fleurs pour les manger. C'est bien, donc, Lucille. Qu'est-ce qui fait la spécificité des colibris? Eh bien, ce sont ses plumes. Les colibris ont énormément de plumes. Les colibris... On fera les coloriages après, les garçons, c'est pas encore là. D'accord, c'est pas, on va commencer plus tard. Les colibris possèdent plus de 1500 plumes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je peux pas. 1500 plumes. Ça les aide à se tenir chaud. Le colibri calliope que vous voyez à gauche, par exemple, et le colibri à droite, c'est le colibri huppé parce qu'il a une huppe sur la tête. Et on le trouve plutôt dans les Caraïbes. Je ne sais pas si certains amis des Caraïbes se sont joints à nous aujourd'hui. Voilà. Mais surtout, le colibri a une mémoire d'éléphant. Il a un cerveau énorme par rapport à son tout petit corps. C'est le cerveau le plus grand des oiseaux. À quoi ça sert d'avoir un cerveau, Gabriel, si grand pour les oiseaux? Pour aller tout au fond des fleurs. Pas exactement. Mais c'est vrai que son bec, ça va aller tout au fond des fleurs. Non, son cerveau, c'est pour se rappeler exactement des fleurs qu'il a visitées pendant son long périple. Comme ça, il ne visite pas deux fois les mêmes fleurs. Voilà, il ne mange pas deux fois les mêmes fleurs. Ça lui permet de faire des économies d'énergie. Et maintenant, nous allons lire notre histoire. Alors, je vais sortir. Ce n'est pas du tout facile de... J'arrive quand même. Voilà. Alors, je vais vous sortir le livre et nous allons le commencer ensemble. Voilà. Si les colibris pouvaient fredonner. Est-ce que vous savez déjà pourquoi un des deux colibris a la tête violette, les garçons? Parce qu'ils sont des garçons. C'est ça, exactement. Les garçons ont une gorge colorée, alors que les filles ont un peu moins de couleurs. C'est comme ça qu'on les différencie. Voilà. Et regarde! Alors que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. Alors. Les colibris ne fredonnent pas un air, ils chantent une chanson. Mais s'ils pouvaient fredonner, nous laisserait-il fredonner avec eux? Faisons comme s'ils pouvaient fredonner, qu'ils puissent le faire, qu'ils fredonnent de l'aube au crépuscule. À propos de quoi fredonneraient-ils? Ils fredonneraient à propos du soleil, qui les réchauffe. Il fredonnerait à propos des fleurs qu'ils adorent. Oh, quel divin nectar! Il fredonnerait au vent en filant dans le ciel. Peut-être les entendrions-nous fredonner à propos des insectes qu'ils attrapent au vol. Maman. Il fredonnerait pour la pluie qui glisse sur leur plumage et les fait briller. Voilà qu'il chanterait dans les arroseurs. Se baigner est un délice. Ils fredonneraient, non, Aldo, en pollinisant leurs fleurs favorites. Il peut rester, mais tu peux pas. Il peut rester, mais il ne fait pas de bruit, d'accord? D'accord? Tu ne fais pas de bruit? Ok. Ils fredonneraient pendant leur migration, des heures et des heures durant, ils fredonneraient en voyageant. Alors, que veut dire migration? Qu'est-ce que c'est une migration, Gabriel? C'est quand on se déplace d'un point à l'autre. Vous voyez, les colibris traversent les États-Unis du nord au sud et du sud au nord chaque année. Ils ne font pas tous un trajet aussi long,
Et je vous ai pris une carte pour vous montrer un petit peu. Voilà. Nous, on habite là. C'est le Colorado. Alors, pour moi, il fait un peu froid dans le Colorado et il n'y a pas beaucoup de fleurs. Donc, les colibris sont plutôt au sud. Mais plus les fleurs vont s'ouvrir, plus les colibris vont remonter en Amérique pour aller faire leur bébé, avoir leurs œufs et faire grandir leur bébé. Puis quand il commencera à faire froid à nouveau, ils redescendront. C'est ce qu'on appelle une migration. Quand ils voleraient en arrière, car ils savent voler en arrière, les colibris, et c'est le seul oiseau qui sait faire ça, ils se sentiraient si fort qu'ils en fredonneraient de plaisir. Ils fredonneraient aussi par rapport aux mangeoires bondées pour boire tout de suite après s'être reposé. Ils chanteraient encore à propos de leurs rivaux pour protéger leurs espaces. Et attention, c'est chez moi ici. Je crois qu'il fredonnerait à propos des chats dehors. Qu'est-ce qu'il dirait aux chats ? Que fais-tu là ? Tu devrais rester à la maison. Devant leur nid aussi, il fredonnerait. Leur nid bien caché dans les buissons, les arbustes, les arbres. Il fredonnerait aussi à propos de leurs petits, au pelage si doux, qui face à la brise se réchauffe en se serrant les uns contre les autres. Il fredonnerait quand le soir tomberait et que le soleil partirait se coucher derrière les montagnes. Enfin, il fredonnerait en s'endormant et en rêvant d'une autre belle journée à venir, il fredonnerait. Et voilà. Après, c'est quelques pages pour expliquer un peu ce qu'on est en train de voir sur les oiseaux. Donc, je vais reprendre ma présentation avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les colibris qu'on n'a pas encore déjà vu ? Eh bien, comme vous l'avez vu dans le livre, les chats sont dangereux pour les colibris. Les chats mangent les oiseaux. Alors nous, on a un gros chat, il n'est pas là, là tout de suite, il s'est caché. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Totor et il ne va jamais dehors parce qu'on ne le laisse pas aller dehors. Voilà. Totor ne va jamais dehors et il ne mange pas les oiseaux comme ça. Parce qu'il y a des chiens. Aussi. On va parler des mangeoires aussi pour les colibris. Donc ça, c'est une mangeoire à colibri. Vous voyez, il y a des petits trous pour qu'ils puissent mettre leur bec. Et là-dedans, vous allez mettre de l'eau et du sucre. Vous pouvez planter ça dehors pour les nourrir. Ça les aide bien pendant la migration. Comme ça, ils ont à manger. Il y a plein d'autres mangeoires. Il y a plein d'autres mangeoires, mais ça, c'est la mangeoire des colibris. Mais surtout, il faut penser à bien la nettoyer. Parce que si elle est mal nettoyée, un colibri peut être malade et il peut rendre malade les autres oiseaux. Ce serait triste. Alors, quoi d'autre ? Les oiseaux ne voient pas les vitres. Et oui, c'est pour ça que vous coloriez. Montre-moi ton oiseau, tu l'as bien colorié, Gabriel. D'ailleurs, vous pouvez prendre votre boîte de couleurs et faire comme Gabriel. Montre-le, Gabriel. On va le finir après. Et après, ça, c'est le colibri de Gabriel. On va le coller sur ma fenêtre comme ça, il voit qu'il y a des... Voilà, on va découper le colibri et le coller sur la fenêtre pour que les oiseaux réalisent qu'il y a des vitres et ne se tuent pas en percutant des vitres. C'est important. Parce que quand ils regardent la vitre, ils pensent qu'il y a beaucoup d'arbres à l'intérieur. Voilà, exactement. Donc, on a terminé la présentation. Maintenant, vous pouvez colorier votre petit colibri si vous le souhaitez. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les colibris, vous pouvez aller sur westernhummingbird.org ou Journée Norse pour en savoir un peu plus sur la manière dont ils migrent. Et vous pouvez nous écrire à info@environmentamerica.org. Et si vous avez des questions, je vais ouvrir la boîte de dialogue. Suzanne? Oh, okay. So we have some questions online. Suzanne? Yes, we do. Okay. But so we have some comments. One was that you have very cute boys. Thank you. What do you say, Gabriel? Goodbye. No, say thank you. Thank you. We have one comment that wherever this person lives, they do not have hummingbirds. And if they live outside of the Western Hemisphere, that is correct. Hummingbirds are only found in the Western Hemisphere. Oui, si vous n'avez pas de colibris chez vous, c'est parce que les colibris ne vivent qu'en Amérique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en fonction de la période de l'année. Malheureusement, il n'y a pas de colibris ailleurs. C'est vrai. Voilà. And you have that was from Lola Delcroix. And someone else said Jaden
I can't. Ah, Jaden says, Jaden. We know Jaden. On connaît Jaden. Yes. We'll be going to see Hummingbird Free. I don't know if that's a movie or what. Let me try to. Oh, vous allez voir des. Thank you from the heart. Donc, est-ce que tu vas voir des colibris dehors? Oui, bientôt, les colibris vont revenir dans le Colorado. Parce qu'effectivement, le printemps est là et les fleurs sortent. Tout à fait, Jaden. Et Gabriel, Aldo, où tu trouves toi, Jaden? Thank you. And that was all your questions so far. OK. Eh bien, je ne sais pas si vous voulez. Ah oui, I didn't show you the quiz. Je ne vous ai pas montré le questionnaire, pardon, mais nous avons pour vous un quiz. Donc voilà les questions. Si vous voulez y répondre et nous envoyer les réponses par email, vous pourrez recevoir un certificat de jeune ornithologue. Donc les questions sont les suivantes. Que mangent les colibris? Qu'est-ce qu'une migration? Est-ce que les colibris aiment se baigner? Et qu'est-ce qui peut blesser un colibri? Je vous laisse lire les questions, essayez d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire pour nous donner vos réponses. On sera ravis de. Et surtout, envoyez-nous des photos de vos colibris dessinés et peints. On sera ravis de les mettre sur notre site internet et de les partager sur les réseaux. Voilà. Merci à tous de nous avoir rejoints cette semaine. J'insiste encore, à partir de la semaine prochaine, on aura à la même heure, le même jour, je ne sais pas si ce sera avec Gabriel et Aldo, à la même heure et le même jour, un autre webinar sur les oiseaux de mer, et on en aura un sur les oiseaux et l'art, et un sur les oiseaux et la musique. Et pour les enfants du Colorado, ce sera une petite surprise, on a des musiciens que vous connaissez très bien qui vont se joindre à nous. Donc restez en contact avec nous. J'espère vous voir bientôt. Et au revoir, Suzanne. Au revoir. You say goodbye. Goodbye, everyone. C'est fini.